Konnichiwa les kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire pas mal de petites choses. On va faire surtout un tour, un grand tour pour faire le récap un petit peu d'où on en est sur l'île. Parce que comme vous pouvez le savoir, si vous voulez voir un petit peu les avancées, bah, vous ne pourrez pas les voir parce que du coup, je coupe mes lives. Et donc du coup, là, ce qui reste du live d'hier, eh bien, c'est la croissance des... comment arrêter la croissance des arbres. D'ailleurs, si ça vous intéresse de faire plusieurs tailles d'arbres, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder la petite rediff de live d'hier. En tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous me découvrez évidemment comme d'hab, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus pour soutenir. Et tout de suite, eh bien, ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer la carte de l'île. Donc on se trouve sur Fantasy, l'île sur le thème de Disney. Je le rappelle et je le redis parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas précisé. Je ne fais pas le parc Disney, je fais juste des références à Disney, des dessins animés, des films d'animation, enfin voilà. Je fais, voilà. Par contre, j'ai fait quand même l'entrée. Comme le parc Disney, j'ai fait Main Street, donc l'avenue principale. Et du coup, évidemment, je vous montrerai tout ça pour tous ceux qui ne connaissent pas. On a trois personnages principaux. On a Kibi, on a Cruella et on a Maléfique, les deux méchantes, les deux vilaines de l'île. Et ensuite, on a Bibi et Sven Akaabram qui vont rester sur l'île. Pauline, évidemment, aussi, on l'a récupérée dernièrement en chasse à l'habitant. Noémie, elle restera pas. Aster non plus. Fanny, elle reste. Elle fait la tasse de La Belle et la Bête. Dalma, qui fait évidemment eh ben, un dalmatien, du descendant dalmatien. Tupus, qu'on a eu en aléatoire, qu'on ne gardera pas. Blanche, qui fait Elsa de la Reine des Neiges avec son château que je vous ferai visiter évidemment. Et Neferti, qu'on a récupéré très dernière, vraiment à la toute dernière chasse à l'habitant, qui sera eh ben, vers le musée, que, comme vous pouvez le voir, qui est tout en haut, le musée, presque au milieu de l'île, ouais, quasiment au milieu de l'île. Et en fait, eh bien, ça sera un thème Indiana Jones. Et je pense qu'elle, elle sera une petite maison, restaurant ou une petite maison de boutique souvenir. Un peu dans le thème là. Bref, on verra plus ou moins, mais bon, je pense que ça devrait être comme ça. Bref, pour tous ceux qui demandent un code onérique pour cette île là, il n'y a pas de code onérique tout simplement parce que elle n'est pas finie. Donc soit... bah oui, Maëva l'a dit, elle n'est pas finie l'île, on ne fait pas de code onérique tant que c'est pas fini. Bref, ici on se trouve dans les lacs enchantés, c'est le château de Cendrillon et les lacs enchantés. Derrière, j'ai enfin fini le château parce qu'en fait il manquait juste deux parois, il manquait de château et du coup je les ai enfin mis. Et finalement je voulais rajouter des trucs ici mais je vais rien rajouter. J'ai fait un petit potager, enfin voilà, rien d'incroyable mais juste un petit potager derrière avec les citrouilles. Ici j'aime beaucoup cette petite allée avec les gyroïdes, franchement je trouve ça trop cute, je vais en mettre partout, je l'ai beaucoup dit mais je le redis, je vais mettre beaucoup de gyroïdes partout parce que je trouve que c'est un côté très frais, très féerique et du coup évidemment ça va hyper bien je trouve, en tout cas sur une île, sur le thème Disney. Ensuite on arrive juste ici, petite transition, on arrive eh bien chez Maléfique et c'est bon que Maléfique, ça y est c'est pareil, j'ai fini la déco de chez elle et je suis très contente en vrai de... ouais, je suis plutôt contente. Normalement c'est plutôt violet son thème, violet et vert, mais en vrai je trouve que c'est cool, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs n'hésitez surtout pas, si vous avez des remarques à me faire, à les faire. Il y a un cadeau, un ballon, on va les récupérer. Est-ce que je peux passer? Ah, je peux pas passer par là. Zut, 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 zut. Oh, je vais louper, non? Ah, c'est le bazar, Maëva, elle est en train d'éclater son jouet. Ah là là, il est là. Ah non, mince. Oh purée, je l'ai loupé. Ah zut, faut que je refasse tout le tour. Ah, je vais pas réussir à l'avoir. Je vais peut-être pas réussir à... Ah là là, mais c'est pas possible, il va de l'autre côté maintenant, j'avais l'impression. Oh, est-ce que je vais arriver à récupérer le ballon? Ouais, c'est bon, je vais réussir à l'avoir, yes. Oh my god, incroyable, franchement, c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné, qu'est-ce que c'est? Oh, un plan sol de piste de ski. Ok, bon, je sais pas s'il nous sera utile, mais en tout cas, c'est cool, on récupère un nouveau plan. Magnifique.
Je suis désolée, c'est un petit peu le bazar parce que Mev, elle est en train de jouer. Elle est en train de jouer juste à côté. Alors, du coup, on en était à la déco de chez Maléfique. Et je vous disais que normalement, eh ben, c'est vert et violet. Enfin, Maléfique, c'est ses couleurs, vert et violet. Mais du coup, je trouvais que c'était bien comme ça. Et c'est une inspiration que m'avait suggérée Sybille. Et franchement, je suis très, très, très contente. Là, ici, c'est la transition. Enfin, vraiment, je suis contente. Je suis hyper contente du rendu. Et du coup, eh bien, on arrive au niveau du château, eh bien, d'Elsa. Hop là, juste ici. On a rajouté la fontaine hier. Je suis très contente parce que je trouve que ça rend super bien. On a enlevé les orques pour ceux qui n'ont pas suivi, qui étaient derrière la maison. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça, avec que des piliers et des lampes qu'on va. Je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa. En tout cas, il me plaît beaucoup plus comme ça. Bref. Voilà ce que ça donne. On a rectifié un petit peu la patinoire, on a enlevé le truc qui était cassé, et puis de l'autre côté aussi il y avait les patins et tout ça, ça allait pas du tout. Il faut que je télécharge d'ailleurs le nouveau motif que m'avait envoyé Sybille. Elle est à fond, elle est grave à fond. Bref, mon débarras, il est juste ici. Vous savez ce qu'il faut que je récupère? Il faut que je récupère absolument un arrosoir. J'ai pas arrosé hier. Mince, j'ai fait ranger. Non, pas ranger. J'ai pas arrosé hier les fragments de géroïdes. D'ailleurs, j'en ai un encore sur moi. Qu'on va d'ailleurs aller planter et qu'on va arroser, évidemment. Alors, attendez, arrosoir juste ici. Oh là, mais qu'est-ce que c'est pratique. Qu'est-ce que c'est pratique et rapide, beaucoup plus rapide. Bref, j'allais faire le tour des plages, mais pas du tout. Donc ici, j'ai fait un espèce de petit bar glacé. Il manque encore des petits détails. Mais en vrai, je suis plutôt contente déjà de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait en live, parce que vous m'avez beaucoup aidé et ça, c'est cool. Du coup, ici, c'est l'autre côté du palais, du château d'Elsa. Ensuite, on arrive dans la forêt de Sven. Juste ici, on a rajouté les lampes champi blanc. Franchement, ça rend très très bien. Et de nuit, franchement, c'est très joli. Avec évidemment des arbres un petit peu de toutes les tailles. Franchement, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Ça apporte vraiment de la profondeur. Et là, on arrive du côté de chez Bibi. Pareil, il manque encore quelques détails. Je vais juste faire le tour de la plage pour voir s'il n'y a pas la bouteille à la mer ou un fragment de gyroïde. Mais... Et eh ben c'est pas de ce côté-là de l'île. Il va falloir qu'on trouve un endroit pour la boutique des sœurs doigts de fée et la boutique des petits choubidous d'amour. Et autrement, et eh ben ce petit coin-là, il est quasiment fini. Mais bon, il y a des petits endroits encore c'est vide où il va falloir combler de déco, genre ici. C'est pas de la déco ici, il va falloir mettre des buissons, des schistostégas, des fleurs. J'ai mis aucune fleur. Je n'ai mis aucune fleur. Mais en même temps, c'est un peu l'hiver, et je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà au niveau du château d'Elsa, je mettrai pas de fleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais au niveau du château, je mettrai peut-être pas de fleurs. Ou peut-être des jacinthes bleues ou violettes, bleues, peut-être des jacinthes bleues. Bah, n'hésitez pas à me dire, voilà, dans les commentaires. Et ici, ouais, ici, il faut quand même des fleurs au niveau de la forêt, franchement, je pense que c'est important. N'hésitez pas à me suggérer des idées de fleurs à mettre. Bref, du coup, on arrive chez Pauline, et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller chez Pauline. Ici, il y a deux maisons qu'il faudra qu'on déplace. Après, il va falloir attaquer ce petit coin-là, qui sera le coin Mulan. Je sais pas si on rajouterait pas quelqu'un à ce niveau-là, je sais pas. Je sais pas trop. Bref, go personnaliser la maison de Pauline. Ok, c'est parti. Pour tous ceux qui se demandent comment faire pour personnaliser la maison d'un habitant, il faut absolument avoir le DLC. Si vous n'avez pas le DLC, c'est pas possible, vous ne pourrez pas. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais on m'a encore posé la question, et je l'ai dit dans la vidéo évidemment qu'il fallait le DLC, mais on m'a reposé la question, c'est que je pense que vous écoutez pas du début jusqu'à la fin. Hyper important, si vous avez besoin d'avoir des renseignements, que vous cherchez des astuces, il faut écouter les vidéos du début jusqu'à la fin, parce que je dis énormément de choses et je ne les dis pas toujours au même moment, donc évidemment que je le rappelle. Donc pour faire la personnalisation des maisons des habitants, il faut le DLC. Ensuite on fait parlons maison, et ensuite il va vous proposer soit pour votre maison ou soit pour la maison d'un résident, et du coup la maison d'un résident. Et du coup, on va pouvoir la personnaliser. On va faire que l'extérieur, on ne fera pas l'intérieur. Hein. Et c'est cool. Ça coûte 9000 clochettes. Évidemment qu'on dit oui. Et ben, c'est parti. Bon, évidemment, Pauline, je pense qu'elle sera ravie qu'on personnalise sa maison. En vrai, j'aimerais bien choisir la plus grosse maison. Je pense que ça pourrait être sympa. Allez, récupère des 9000 clochettes. L'extérieur.
Alors, pour l'extérieur de sa maison, moi j'avais pensé. Ah, mais c'est déjà la bonne! C'est déjà la bonne! Je pensais pas que c'était celle-ci, je pensais qu'elle était un tout petit peu plus grande, mais en fait, je confonds de ouf avec le DLC, hein. Oh, je confonds de ouf avec le DLC. En vrai, franchement, sa maison elle claque déjà en fait, hein. Ah là 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 là, sa maison elle claque déjà, j'ai pas envie de la changer en vrai. Hein. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Hein. Ah ouais, non, sa maison en fait elle est parfaite comme ça. Oh, ah ouais, y a rien à changer. Je pensais pas du tout, je pensais que le modèle allait. Je pensais que c'était pas ce modèle-là, que c'était le plus grand modèle comme on a dans le DLC. Oh, je suis un peu déçue. Est-ce qu'on essaye quand même? Ah, c'est. Ah, regarde, vous savez quoi? Ah ouais, non, peut-être qu'on change le toit. Ah yes, on va changer le toit. Qu'est-ce qu'on met comme couleur? Ça c'est un peu vert gris. En vrai, ça c'est pas mal. Ça c'est peut-être un peu trop clair. Oh, ça c'est pas mal. Non, non, en vrai. Je pense que le gris foncé comme ça, c'est bien. Oh là là, franchement, j'hésite entre gris, gris, gris comme ça et noir. Oh, ah, je sais pas. Vous saviez quoi? Est-ce qu'on ne partirait pas sur du vert comme ça, un gris vert un peu comme ça? Ça peut changer, ça rappelle un petit peu le tour des fenêtres. Ah ouais, en vrai, ce toit il est incroyable, j'adore. J'aime trop. J'aime trop et on essaye quand même. Le toit en chaume était pas mal, mais vraiment celui-ci avec les pierres, c'est le même que Gladys. C'est le même toit que Gladys que j'aimais énormément. Et je pense qu'à mon avis, façade, on reste comme ça. Hein. Je pense que cette façade-là, elle est très très bien. On teste quand même. Attendez. Je regarde que je me trompe pas. On teste. Ah, c'est pas mal, mais non. Ah, c'est joli, hein, c'est sympa. Hein. Oh, c'est pas mal aussi comme ça. Hein. Alors, attendez. Ouais, non. Non. Non, je pense qu'à mon avis. Oh, oh, c'est hyper beau, ça fait hyper genre un peu naturel. Très très sympa, sans changer la porte. Mais bon, c'est pas bon pour le. Comme on va faire un palais. Pour Pauline, je pense qu'il faut plutôt quelque chose comme ça, d'un peu plus classe, d'un petit peu plus palais, quoi, hein, qui fasse un peu plus palais. Je regarde encore une dernière fois les toits, mais c'est des toits en chaume. En vrai, les tuiles auraient été pas mal, mais ouais, les tuiles auraient été pas mal, mais vraiment, j'aime beaucoup celui-ci. Et ben, vous savez quoi, on part là-dessus. Bon, on n'a pas changé énormément de choses, mais c'est moi qui suis un peu tête de linotte, et je sais pas pourquoi, j'ai tellement en tête le DLC. Que du coup, et ben, j'avais l'impression qu'on avait les mêmes maisons alors que pas du tout. Alors que absolument pas du tout. Ok, l'intérieur de chez Pauline, regardez, il est très beau. Franchement, il n'y a pas besoin de le changer. Peut-être qu'on changera, mais franchement, il est magnifique comme ça. Et vous savez quoi? Et si on lustrait? Oh, on va lui lustrer. Ah oui, on lui met des papillons. Oh là, c'est une bonne idée, regardez. On lui met des papillons sur son truc de cerisier. Ah yes, magnifique. On va lui mettre des notes de musique. Je sais pas si... Non, je raconte des bêtises, il n'y a pas de notes de musique. Qu'est-ce qu'on peut mettre de sympa? On peut lui faire que ça brille. Ouais, des étincelles sur son phonographe. Ouais, c'est cute comme ça. Et on peut faire genre un peu de vapeur. Bain de vapeur. Pain de vapeur comme ça sur son service à thé. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est cool. On aura comme ça en point un petit peu personnalisé l'intérieur et l'extérieur de sa maison. Attendez, je regarde de l'autre côté s'il n'y a pas des trucs un peu sympas qu'on pourrait personnaliser aussi. Non, c'est cool comme ça. Et ben, c'est bon. Alors, hop, on va reparler à Monsieur Grothamnook. Ah, je suis contente, je suis très très contente en vrai. Même si je suis un peu déçue quand même de la taille de la maison. Mais c'est moi qui hallucinais, hein. C'est moi qui hallucinais total. Vous avez le droit de vous moquer de moi dans les commentaires. Hein. Alors j'ai fini. Bien sûr, évidemment que c'est magnifique. Ok, et ben voilà. Personnalisation de la maison de Pauline effectuée. Oh bah regardez, elle est juste là en plus. Alors attendez, on parle à Pauline quand même. Coucou Kibi! Je commençais à me demander si on finirait par se croiser. Sans toi, je n'aurais jamais osé m'installer. Oh là là, je lui ai jamais parlé depuis qu'elle est arrivée sur l'île. My god! Oh, mais je suis trop méchante. Mais je suis trop méchante. C'est abusé. Franchement, c'est abusé de ouf. Bref, bon, tant pis. Hein. Un gros merci voisine.
Ok, elle est trop cute, elle est trop jolie, je suis très 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 contente de la voir sur l'île. Et je vais juste vous montrer de l'autre côté pour tous ceux qui ne connaissent pas. On va refaire un petit tour parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas passée. En vrai, il faudrait quand même que je... Enfin non, on va faire étape par étape et il va falloir qu'on finisse. Ici, il y a le musée. Bon, on l'a juste déplacé. Et par contre, on a juste ici, eh bien, chez Dalma avec les 101 Dalmatiens. Et juste au-dessus, on a... Eh bien, chez Cruella, il faudra vraiment tout autour qu'on finisse la déco parce que ça va pas du tout. La maison de Néferti. Oh, attendez, on va voir Néferti. Oh, on va aller voir Néferti. Hello. Oh là là, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. On pourra personnaliser l'intérieur de chez elle et pas en mode pyramide. On pourra enlever la pyramide, on pourra mettre l'hôtel maudit. Oh, l'hôtel interdit, je crois qu'il s'appelle. Pourquoi je vais dire l'hôtel maudit? Bref, c'est pas grave, on va lui parler. Ta visite me fait très plaisir, Miou. On papote? On est déjà jeudi? Je ne l'ai pas vu la semaine passée. Toi non plus, Kibi. Décidément, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Eh ben, t'as vu, c'est incroyable. Bon, bah, j'espère que... j'espère que tu vis ta meilleure vie sur l'île. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir récupérée. Et ben, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Attendez, on va faire une mimique. Est-ce que vous pensez qu'elle va danser avec moi? Alors attention, en plus, elle ne peut plus du tout passer. Donc en vrai, elle a plutôt intérêt à danser avec moi parce qu'autrement, elle va être coincée. Attendez, on va faire... Ah, on va faire ça. Le rameur. Ah non, elle sourit! Ah, ça va, tu pourrais faire un pas de danse avec moi quand même, Néferti. Attendez, on change, on fait un autre truc. Peut-être que celui-là, elle l'aime pas trop. Est-ce que... Ah non, elle aime pas non plus celui-là, elle sourit, mais c'est tout. Pourquoi elle danse pas avec moi? Ah, le twist. Ah là là, on a trouvé le pas de danse préféré de Néferti. On retient tous que c'est le twist. Bref, et ben vous savez quoi? Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est déjà jeudi, effectivement, c'est bientôt le week-end, cette semaine de rentrée. En tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous me découvrez, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Moi, je vous fais des très 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 gros bisous. On se retrouve ce week-end, évidemment, pour des lives sur l'île Bisounours. Chasse à l'habitant, on continue à chasser les ours. Et évidemment, sur l'île ici, pour continuer la déco. Et ben, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kibichis.